Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau live sur Book of Wars. On reprend notre petite aventure. Et on était sur une journée où on va être studieux, on a plein de leçons à faire. J'ai déjà commencé à lancer les souvenirs pour ces deux leçons-là. Il nous faut deux souvenirs de chaque. Et pendant que ça travaille, on va peut-être regarder un peu ce qu'on peut faire. Parce que du coup, préliminaire metteur, il va falloir 5 souvenirs. On dirait que ça va être un peu violent. Ici, Gretzkar, il nous faudrait 3 souvenirs. Ce qui serait intéressant, c'est ceux qui sont pas encore commit. Celui-là, il est pas commit encore. Il nous faudrait 2 souvenirs de type Moss et de type Sky. Alors, on peut faire un Impulse assez facilement. Un Impulse, le fameux Impulse. C'est parti, on va le lire en haut. On va le lire avec un chat. Alors il est de type knock. Ouais, ça va le faire. Il faut qu'on garde aussi des souvenirs pour pouvoir les lire, hein, bien sûr, pour pouvoir apprendre les leçons. Et donc on va attendre de voir ce que dit la journée. Peut-être qu'on va avoir un sky intéressant. Il pleut. Bah, c'est du grail du coup. Du grail ou du nectar. Ok, très bien. Pourra nous aider pour la scar du coup. Ou pour Drum and Dance. Ça nous fera un souvenir pour Drum and Dance. Donc il nous faudra un deuxième. Il nous faut un sky. Faire un storm. Je crois que je lis rien. Si je lis des trucs ici, je lis des trucs ici. Je lis en haut, je lis rien là-haut là. Ici. Ici, on peut lire avec... avoir besoin... Whist, ce serait pas mal. Pardon. Whist, il nous servira à rien d'utiliser. Et donc, il nous faudrait un Hurt bonus. Un Cheerful DT, pourquoi pas. Je crois qu'on utilise quasi tous nos livres, là. Tous nos bureaux. On va le lire avec un else. C'est parti. Là, ça va bosser un peu. Donc là, on a aussi le buste qu'il faut qu'on étudie, mais c'est moins urgent, on va dire. Ouais, on a trouvé un buste en ouvrant là-haut, là. Il y a une mouette. Une petite mouette. Et là, on est en train d'ouvrir notre petit coliche. Je crois que c'est des amandes dedans. Ouais, c'est ça. Des amandes. On va les mettre sur le petit étagère des familles. Voilà. Et ça, on va l'étudier en attendant de pouvoir faire le reste. Ça prend 30 secondes. C'est à peu près le temps qu'il va falloir à nos souvenirs pour se générer. Alors, normalement, ça devrait être un libraire, si c'est quelqu'un de notable, en tout cas. Qui donc cela va-t-il être? Putain, il y a tellement une tronche, celle-là, c'est ouf. Attention, hop là, 5 souvenirs. Tuck, 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 et tuck. Ok. On attend les 3 secondes et on regarde qui est ce monsieur. Alors, le 9e bibliothécaire, peintre et docteur, qui n'est jamais revenu du front de l'Ouest. Ok, très bien. Il est donc mort à la guerre, semblerait-il. Le 9e, je pense que c'est juste avant nous. Hein. Ah non, il y a un Elevens. Parce qu'on est en 36. On est en 36 et il y a eu... Il y a eu 7 ans sans la... Et c'est là. Elle est abandonnée depuis 7 ans, la librairie, la bibliothèque. J'aurais pensé qu'on était plutôt les seuls, mais enfin qu'il n'y avait pas beaucoup avant. Donc là, du coup, il nous faut un petit forge. On va utiliser un else plutôt.
Faire du nectar, alors non, parce que c'est le seul nectar qu'on a. On va mettre un forge. Yep, un forge, il nous faut donc une leçon et il nous faut deux souvenirs qui font le taf, donc deux souvenirs qui font de la forge. C'est parti. Ici, on a récupéré un souvenir. On a récupéré un souvenir. Voilà, on a nos souvenirs. On est blindé de souvenirs. On a fait deux partitions, tiens. Tu sais jouer de la musique? Bah ouais, on sait jouer un petit peu de la musique, on va dire. Là, pour le moment, on apprend à épicer nos plats. Hop, donc celui-là, c'est fait. Ensuite, on avait préparé... le drum and dance, mais le voilà, le resurgence and emergence. Donc lui, c'est du grail et du moss, mais je crois qu'on avait fait deux grail. Non, on n'a pas fait deux grail. Si, il y a celui-là. Et il y a celui-là, c'est ça. Et en effort, il nous faut un ereb. C'est parti. 30 secondes qui bosse. Et je pense qu'après, on va pouvoir aller remplir un petit peu notre arbre de la sagesse et nous débloquer quelques trucs en plus. C'est l'objectif de la journée, en tout cas. Alors du coup, si je fais le compte... on va monter Drum and Dance. Drum and Dance, il nous faut du Nectar ou du Heart. C'est ces deux-là. Et on va monter celui-là. Celui-là, il nous faut du Moss et du Sky. Donc non, c'est ces deux-là. On va ranger. Tac, tac. Ça, c'est pour Drum and Dance. Non, ça, c'est pour Sacralimae. Non, ça, c'est pour Drum and Dance. Et ça, c'est pour... Oh là là, qu'est-ce que... Non, si c'est ça, c'est Sky, mais ça c'est pas Sky. Donc c'est l'inverse, c'est toi qui es de type... Ah, je me suis peut-être planté sur un truc. Bon, c'est pas grave, on va en générer. Parce que là, du coup, il me manque un souvenir. Soit de type Earth, soit de type Moss. Celui-là est de type Nectar. Lui, il peut prendre du Earth et du Nectar. Lui, il peut prendre du Moss et du Sky. Donc ça veut dire que ça et ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. C'est ça, ok, on est bon. On est bon, on est bon. Du coup, derrière, on aurait préliminaire le metteur. On a celui-là qui est tout frais. Et celui-là, du coup, s'il est tout frais, c'est-à-dire qu'on peut le monter au niveau 2 direct. Donc, il nous faudrait un forge ou un oak. On va faire un oak. Bah, parfait. Pattern, il est de type forge et oak, donc c'est nickel. Avec quoi on va le lire? Le Faust. Alors, le Faust, il est de type sky. Celui-là, on va le lire avec un else. Celui-là, on va le lire avec un moss, donc le thirst. Le triste. Et celui-là, on va le lire avec... Il nous faut un forge ou un oak. Et on n'en a plus. On n'en a plus. On a utilisé nos chapts. Zut, on est eu. On est eu pour celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? Il nous reste du grail. On pourra faire celui-là. Moss, sinon on a deux tristes, donc on pourrait faire le Sacralimae, et du coup ça veut dire qu'il va nous falloir trois autres souvenirs de type Sky ou de type Moss. Donc on les régénérera quand on lancera la leçon. On va lancer cette leçon là ensuite et on va les régénérer. Plus un autre du coup. Hop, la pause. On récupère ça et donc du coup on va avancer sur
Sacralimaï, c'est parti. Tac, tac, tac. On met en triste. Et on travaille. Donc du coup, il faut qu'on régénère du Moss, du Sky. Bon, la Storm, on l'a déjà, donc attention. On peut régénérer un Cheerful Ditty. On va pouvoir lire avec un Faust. Et Ruffalseg. J'espère que ça va bien depuis tout à l'heure. Il nous faut un Moss, c'est ça, hein. Moss et Sky, alors ici on peut utiliser le fait, on va l'utiliser, le Chor, on va en utiliser un là. On va utiliser un Else du coup. Bah écoute, ça va toujours bien, on progresse, donc ça demande pas mal de cerveau, mine de rien, cette histoire. Et t'as gagné une démon. J'ai gagné une démon qui est absolument pas concentrée sur le live, donc du coup... Je sais pas si c'est très pertinent. Là, on va utiliser Hurt. Donc là, j'essaye d'optimiser un peu mes apprentissages de leçons, et ça va nous prendre plusieurs jours, clairement. On en a tellement... Tellement qu'on a débloqué. La secte dit bonsoir. Bonsoir, Falsag. Elle a le nez sur son crochet, donc... C'est pas un crochet, c'est une aiguille. Oui, mais tu crochettes pour ta broderie. Non, je brode. Tu brodes? Je crois que tu t'aimais crocheter. Oui, mais là, je suis en train de broder, j'ai une aiguille. T'as une aiguille dans les mains? Ah oui, mais là, tu brodes pas, tu débrodes. C'est de la triche. Oui, mais... En principe, je brode. Hop, souvenir, souvenir. Et comme effort, on va mettre toi. Souvenir, souvenir. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires de l'épisode sur Nouma. Nouma, Nouma, yé. Nouma, 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 yé. Bah, on tombe. C'est trop ton tour. Moi, je m'aurais fait peur. Ouais, les viewers soupçonnent que c'est toi, mais j'aurais dit que c'était pas toi. Il va falloir un peu plus de place pour les livres. Ouais, ben je pense qu'il va falloir qu'on dégage. Alors là, le problème, c'est que si on se sert de ça pour les souvenirs, ça fait que 4 cases. C'est pour ça que j'ai commencé à récupérer un peu cet endroit-là. Là. D'ailleurs, ceux-là, on va pouvoir les redescendre là. Parce que pour les souvenirs, il nous faut des petites cases, quoi. Donc là, j'ai commencé à mettre un peu de souvenirs et il va falloir qu'on cherche à droite à gauche, mais on est d'accord que pour une bibliothèque, ça manque un petit peu d'emplacement, de rangement de type bibliothèque, quoi. Après, il y a là où c'est pas mal aussi. On peut mettre beaucoup de livres ici, donc éventuellement, on récupérera le bureau du barbier. Si besoin. Où il avait des livres, le barbier, hein? Où il avait la bibliothèque? Bah, je sais pas, c'était pour faire patienter les clients, peut-être. Ta-ta-ta. Ouais, bon, il y a un fauteuil de barbier, mais ça a l'air d'être juste un incident s'il est là, quoi. À la base, c'était une chambre pour un invité... un petit peu valable. Ok, donc là du coup, c'est pour notre niveau 4 de Sacralimaï. Tac, tac, tac. Et on met une tankée du coup. C'était le fait, j'ai eu peur de m'être flanté, mais non, c'est bon. 4 ou 4 jours de libre, tu pourras aussi trier tous les objets par attribut. Les objets, alors là c'est compliqué là. Là, on est sur du lourd, là, ce que tu me demandes. Là. Alors, on va terminer ça et on va aller voir ce qu'on peut mettre dans l'arbre de la sagesse. Parce qu'il y a peut-être moyen qu'on débloque des autres aspects qui vont nous permettre de faire des choses avant la fin de la journée. Ah, mais c'est moche! C'est vrai que c'était mieux au début.
Hop là. Level 4. Alors, du coup. Donc, Sacralimae, déjà, c'est de l'aromachistry ou du Hushry. Le Hushry, on aurait besoin d'un level 3. Potentiellement. Et en aromachistry, on aurait besoin d'un level 4. Alors après, il faut réussir à... Oh. À se caler. Non, raté. Il y a juste le Sacralimae qui irait là. Tu dis quoi? J'ai toujours demandé à Chovity de faire l'inventaire. Pour moi, ce sera plus rapide. Bah après, oui, il faut que le jeu reste démarré. Ici, on gagnerait un metal. Si on le mettait là, ouais, bouf. Ça le fait le nez ou... Ça le fait le nez. Oh, il est pas mal le nez, ouais. Il est pas mal du tout ce nez. Alors après, si on met ici... Le sourire que j'arrive pas à faire. Si on met un truc en Ictodrimi juste ici, on débloque direct le niveau 5 de Hushry 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ici. Donc ça pourrait être pas inintéressant. Le Drum and Dance, c'est de type quoi? Bosque et Aromachistry. Ah, donc lui, on va pouvoir le mettre là, quand on aura passé level 4 avec cette leçon. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ou alors ici, on pourrait le mettre aux deux endroits. Soit là, soit là. Soit là. Non, mais de toute façon, c'est nul. Les livres, ils ont pas d'ISBN, donc je peux pas les trier. Les livres, ils ont pas d'ISBN, tu peux pas les trier. C'est... Oui. Eh ben... Oui, parce que Chobiti est bibliothécaire, hein, sur son temps libre. Celui-là, il est déjà committed. Et Duranwall... Bah, Duranwall, c'est un tout nouveau, donc go, on va le travailler dessus. Préliminal Meter, il est déjà mis. Donc en fait, il y a celui-là qu'on va monter level 4, qu'on va pouvoir mettre là ou là. Et il nous faudrait un niveau 4 de Nyctodromy. Tu pensais pas aux livres, mais aux objets. Là. Ça, écoute. C'est mieux quand même. Oui, c'est très bien comme tout à l'heure. Non, tout à l'heure c'était moche. C'est toi qui le dis. D'accord. C'est 5 de rond, ça c'est 6 de noc. On pourrait peut-être faire des trucs avec ça, mais bon, faut qu'on le monte. Donc en gros, bah pour le moment, on ferait rien dans l'arbre. Ce serait une journée où on aurait tout fini. Donc on va juste bosser un peu ici. Et je crois que ça génère un souvenir, ça fait pas de sous. On va vérifier. Et ici on a dit qu'il fallait ouais, du moon ou du nectar, donc il nous faut un mec de passage. Ce serait bien d'essayer d'ouvrir cette pièce quand même, histoire de terminer ça. On essaiera demain 8 en Earth, c'est carrément faisable. Allez. Ouais, 8, ça se fait assez facilement, ouais. Alors du coup, c'est, ce truc-là, ça fait quoi? Ok. Très bien. Et du coup... il nous reste un triste qu'on n'a pas utilisé, tiens. Est-ce que ça vaudrait le coup d'en faire quelque chose? Non, parce que de toute façon, la taverne, on est en train d'utiliser notre truc. On a... Oui, on avait plus de chapte, c'est vrai. Celui-là, c'était quasi que chapte qui peut le faire. On n'a plus de chapte. Si on débloque un melt, on pourrait le faire, un metal, mais on n'est pas aux pièces. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce strist? Est-ce qu'on peut ramasser de l'eau? Non, hein. On va rien en faire du coup. C'est bien dommage. Donc demain on travaille encore un peu sur... Alors tenter des expériences, on peut essayer, mais il est quand même pas très fort. 3 de moss. Je sais pas si on a déjà fabriqué le truc à 5 de moss. C'est vrai qu'il y a aussi ce bureau. Ah mais c'est pas un bureau celui-là. Mais cela dit, il est de type moss, donc on peut essayer.
Est-ce qu'on a des skills qui donnent du moss? Pas élevé, hein. Et celui-là qui donne 4 quand même, c'est pas mal. On peut faire un Tangle Brag. Et si on monte à 10? Ah, c'est vrai qu'on peut mettre l'œuf là aussi, peut-être. Alors là, il faut qu'on mette un pigment, et là, il faut qu'on mette un truc coopératif ou du papier. Il a très bien ton lapin. Top. Alors, est-ce qu'on peut mettre l'œuf de vipère du coup, qui était dans le coin, je crois? Non. Alors, il est de type quoi cet œuf? Egg, substance, brewable et sing. Ah oui, il est de type scale, donc c'est peut-être pour ça qu'on peut pas le mettre. Enfin, cela dit, il n'y a pas de brewable ou quoi que ce soit, et l'autre œuf qu'on a dans la cuisine, de type earth. Et l'autre endroit de type moss qu'on a, c'est là, je crois. Là, on peut mettre des papiers ou alors de l'encre et un tool. Donc, on peut mettre un film, tiens. Ou un phonogramme. Ah non, c'est interdit ça, pardon, excusez-moi. Tant pour moi. Mais alors, on peut. La cuisine, elle est pas de type moss, hein, non. Quand même bizarre cette histoire. Yoff? Est-ce que ça clignote là le bureau si je passe le moss? Non. Est-ce qu'on peut trouver un endroit où on pourrait mettre du moss et faire l'œuf? Après, il est de type moon aussi, mais moon, on sait, on peut faire le signe là de la lune, c'est un peu naze. Ici. On peut mettre un nomen, on peut mettre une marque ici, tiens. Golo. Et tu crois que si t'as plusieurs chats, tu peux faire des chats plus? Est-ce que je peux faire des chats plus si j'ai plusieurs chats? Très bonne question. Je n'en ai pas la moindre idée. Ça, c'est 5 en moss. Hein. Ah, et là, c'est un autre truc qu'on fait. Si on met un souvenir et qu'on fume la préparation alors que c'est frais. On va gagner une énigme interne. What? Oulala. On va essayer de créer le Wetscope Compound. Allez, c'est parti. Peut-être nous servir. Bah peut-être des chatons, ouais. Mais je vois pas trop. Est-ce qu'on pourrait les mettre pour qu'ils soient tous les deux fusionnés, entre guillemets? Parce qu'il y a pas mal d'endroits où on peut mettre des animaux dans Devotion là. Alors là on peut mettre des animaux mais après on peut pas vraiment mettre autre chose quoi. Mais là on peut mettre des marques. Peut-être qu'on peut faire des trucs du coup avec ces marques. Alors ici, ah oui, ici on a généré un gossip en travaillant avec les rêves. C'est bien ce qui me semblait que ça faisait pas de sous. On va le garder peut-être. Est-ce qu'on peut le mettre dans notre lit celui-là? Oui, type rose, donc on peut. Ce sera un grail, donc ça pourra toujours être utile pour ça le demain. C'est un bon truc de fée. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va fabriquer? Par contre, on est bientôt la fin de printemps, été. Oui. Peut-être Numa. Bah c'est pour ça que j'essaie de tracer à fermer le son. Là, on en a débloqué plein, mais il faut les finir parce que si on drop un Numa là, oui, ça peut être la merde, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a crafté? Westcott Coupound. C'est une petite solution.
Ça peut améliorer les opérations alchimiques ou alors ça a une bonne odeur de pipe. Très très bien. Parfait. Donc c'est plutôt un truc qu'on pourrait mettre là. Une substance. C'est pas mal une substance. On n'en a pas tant des substances. Je peux la poser quelque part intéressant. Sur le bord de la table, ça passerait. Non. Hein. Bon, je vais la mettre là pour le moment. Ah oui, c'est énorme en fait. Ok. On va rafraîchir tout ça et tenter de faire ces toutes celles sont là, mais c'est chaud. Hein. Ces deux-là, là, celle-là, il y en a plein. Il faut faire 5 souvenirs, quoi. Savoir ce qu'on va crafter, on peut pas dire que les messages soient très utiles. Bah, en fait, le truc, c'est que ça nous dit le nom de ce qu'on va crafter, mais c'est pas pour le savoir ce que c'est impossible. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une fonction de recherche, un truc où on rentre le nom. Et puis si on l'a quelque part dans le bâtiment, ça nous le dit quoi. Bon, ça sera un petit peu hors roleplay quoi, mais ça reste un jeu de rôle, hein, le concept du jeu. Bah, sans parler de fonction de recherche comme ça, tu pourrais imaginer avoir une espèce de majordome ou truc du genre. Tu lui poses la question et... Oui, on pourrait trouver une solution roleplay pour le faire, je suis d'accord. Alors on va essayer de faire celui-là. Il nous faut 5 de type noc ou rose. Je suis même pas sûr qu'on ait ce qu'il faut. Là, on a 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Si, c'est bon. On peut le faire. Et bah, go. On va essayer de monter Preliminal Meter, donc il faut qu'on garde nos shafts. Nos shafts vont être utiles avec quasiment tout en fait là. On va garder les shafts. Donc, on va lire avec Srist pour le coup. Ouais, Srist il nous servira à rien. C'est parti, donc on a fait celui-là, il nous faut... Là il y a Rose, Intuition... On va lire avec le metal, le petit metal. Toc. Ensuite. Salt. Shaft, on a dit qu'on le gardait. On va le lire avec un petit Ereb. Donc là, on en a 3. On peut faire celui-là. Il nous faut un bureau ici. Comme ça, on peut lire avec le Swist. Et le dernier, ça va être celui-là. On va le lire ici. Comme ça, on peut le lire avec le petit Swist. C'est parti. Ça, c'est fait. On va essayer de voir si on peut retrouver un chat. Écoutez, que je vous le dise moi. On va mettre le health là. Ça nous fait un bon heart. Qu'est-ce qu'on peut mettre, hein? Il y a celui-là qui est à 5. Après, il y a celui-là qui est à 4. Donc là, si on met ça, on est à 7. Allez, go. On verra si ça fait quelque chose. Et du coup, pour les autres souvenirs, est-ce qu'on peut faire des choses? Donc déjà, celui-là. Celui-là, il est tout con, il nous faudra un forge. Et on peut direct le monter. Donc un forge, on a ce qu'il faut là, on a le foresight. Donc on va le lire ici. Hop là. On va le lire avec un chor. Chor qui n'est pas de type forge, hein. Non, c'est bon. Hop. On va faire celui-là, et après, pour les autres, si on voulait faire le son drum, il faudrait 3 souvenirs encore. C'est faisable. C'est faisable. Alors, c'est faisable, mais pour le moment, on est un peu en déche de bureau. Je crois qu'il nous en reste que celui-là. Mais on peut commencer, éventuellement. Donc, il faudrait du Heart ou du Nectar. On va faire un Impulse. Sûr qu'il sera en conflit avec personne celui-là. Hop, un impulse.
On va mettre là. Et alors du coup, il faut qu'on garde Else ou Nectar, donc il faut qu'on garde du Else. On va le lire avec un Chore. Mais si, ils sont très bien tes yeux, arrête, tu vas finir par l'abîmer. C'est une broderie avec deux points, c'est sûr que ça va pas être exactement symétrique. Ah! On a quelqu'un qui va venir, on n'a pas changé de saison pourtant. Si, on a changé de saison, ok, on est en automne. Donc on a quelqu'un qui va venir nous discuter des vers là. C'est vrai que j'avais dit que j'essaierais aussi de faire le 8 de Hearth, mais peut-être une autre fois. Bon, maintenant on est à peu près sécure pour le Numa, cela dit. Puis c'est Sunny. Et j'ai consommé mon petit Ereb, mais... ouais, j'ai consommé aussi le truc qui me donne des 2 de Hearth, donc ouais, non, du coup c'est pas la peine. C'est quoi l'autre? Knock. On a un 3 de knock ici, mais est-ce que ça vaut le coup de payer le mec? Pas vraiment, hein. Et ici, du rose, du hurt encore. Tellement de choses à faire, ouais, il y a tellement de choses à faire, t'as bien raison. Et là, on n'a même pas encore récupéré ce souvenir, mais il va peut-être nous servir à quelque chose, celui-là. C'est du rose et du grail. Donc il va nous servir pour lui, en fait. Ok, bon, on va avoir un petit peu d'avance. On va attendre que les souvenirs se créent, on va essayer de se concentrer sur les leçons. Mine de rien, c'est déjà assez demandeur pour le cerveau, on va dire. Hop là, excusez-moi, je fais tomber ma bouteille. Hop là. Est-ce que je peux pas direct faire celui-là avec ce souvenir? Non. Je ne peux pas. Alors attention, petit lag. Hop là. 5 souvenirs. Alors, c'est parti. On a dit qu'on voulait faire préliminal metteur. Donc, toi tu peux pas y aller. Toi tu peux y aller. Il nous faudrait éventuellement garder, si on voulait faire celui-là, un knock ou un grail. Donc on va se concentrer sur les roses. Et il nous en manque un. C'est-à-dire qu'il doit y en avoir un qui n'a pas terminé, donc c'est pas grave, on va mettre ça. Et on va mettre un petit shaft. C'est parti. Voilà, c'est bon, ils arrivent. Hop, le forge, deux de forge. Non, un nectar et un forge. Donc le forge, il va servir pour lui. Le nectar pour celui-là, mais il nous en faut plus. Hein. J'avais dit j'en fais un pour le moment, mais Drum and Dance, c'est niveau 3, donc il nous faut 3 souvenirs. De type nectar ou hurt, et on en a un. Donc en avant. On va faire un storm. On va utiliser toi. Je garde Earth to Nectar, donc il nous faut du Else pour celui-là, donc il faut pas qu'on l'utilise pour autre chose. Il nous faut un autre Earth ou Nectar. Du Grail. Là c'est du Earth. On va utiliser le Faust, puisqu'on doit garder le Earth, enfin le Else. Vu le nombre d'emplacements de souvenirs, bientôt il va falloir des souvenirs de niveau 2 ou plus. Ben, c'est un peu un des trucs, c'est que pour le moment j'ai pas trouvé de manière fiable d'améliorer le niveau des souvenirs. Donc en gros, il y a le harmonie là qu'on peut faire avec un souvenir de type Sky. Il y a certainement d'autres moyens d'en faire. Je sais qu'il y a moyen d'en faire un
En consommant ce truc-là, là, en faisant un considère dessus, ça le détruit et ça nous donne un souvenir assez fort de 4 de Edge, je crois. Je vais... mais du coup, bon, c'est one shot, quoi. Ah, il n'y a plus rien, d'accord. On a une nouvelle affaire, du coup. Lui, il vient discuter. Héros, Pilgrim, c'est... Merde. J'avais le mot. Vagabond? Non. Pas vagabond, c'est le mec qui... Ouais, enfin c'est bizarre. Bon, héros, vagabond et traître. Il a toujours... Il sera toujours un soldat. Mais plus jamais il ne pourra être seulement un soldat. Ok, très bien. On va voir ce qu'il nous veut. Donc visiblement, on en a terminé avec le truc des vers infinis dans la maison du gars. Notre préliminaire metteur est niveau 6, c'est parfait. Et du coup, on va pouvoir travailler sur Duronwall, parce qu'il nous faut un seul souvenir. Et un chapitre. Voilà. Hop, c'est parti. C'est quoi le joli truc là? Ah, ça, c'est la langue, ouais, ok, c'est la langue. Alors, on a trouvé des baies. Eh bah, ben, écoutez. Trouver des baies. Et du coup, il veut juste une générale consultation. Écoutez. Excusez-moi, petit éternuement. On va regarder un peu ce qu'il nous veut, le monsieur. On va déposer les baies sur la table. C'est sûr que ça prend moins de place que des poireaux, hein. Merci, Falsag. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bonjour, est-ce que je peux rentrer? Ouais, ben on conclut, on laisse le slot empty pour une consultation. Très bien. Alors, je peux identifier l'intérêt de mes visiteurs et les satisfaire avec le bon livre. Alternatively, si ils connaissent un langage que j'aimerais apprendre, je peux les payer. Alors, il a un langage pas inintéressant, le Sabazine, là. On a quelques-uns des trucs en sabazine. Un. Deux. Deux, et c'est du lanterne level 10 et du moss level 10, donc ça pourrait être intéressant de les lire. Pareil. Après, ça nous dit les visiteurs à qui on ne peut pas avoir confiance peuvent occasionnellement abscon with a boost. Abscon, c'est quoi, abscon? Alors, je me permets, une fois n'est pas coutume, d'aller le traduire parce que si c'est sûr qu'il se barre avec le livre, c'est gênant. S'enfuir avec le livre, ouais, c'est ça. Du coup, non, on va pas lui filer un livre, hein, vu qu'il a très tort dans sa description, ça me paraît pas une bonne idée. On va lui filer de la thune. En espérant qu'il se barre pas avec la thune. Du coup, de fait. Par contre, on n'a plus du tout de printria là. Allez, on va apprendre ça, débloquer les souvenirs, passer à la suite. Quelques secondes pour les souvenirs. Voilà. Hop. Collecte. Collecte. Et donc, c'est celui-là. Et il nous faut le else en avant. C'est pas mal. Il nous reste plus que cette leçon-là à apprendre. C'est pas si dégueu.
On tente d'embaucher le recteur pour ouvrir ça. Oh, il est toujours midi. Et déjà midi, on pourrait embaucher la meuf. Faudrait juste qu'on repose un chore. On va le faire. Parce que le RF du coup me servira à rien à part générer un gossip. Et du coup, on va reposer chore pour avoir un truc à deux de Hearth. Eh oui, ta thune, exactement. On va travailler avec le reste, je pense. Du coup, l'objectif, ça serait d'ouvrir ça. Il y aura peut-être un ou deux livres à cataloguer, mais ça reste les quartiers des serviteurs, donc probablement pas. Et du coup, on aura terminé comme ça avec toute cette aile, hein, ce qui est quand même propre. Hop, c'est parti. Par contre, il me faudra un souvenir de type Earth 2. Bon, on va générer un Storm. Avec le Fed, j'aimerais bien. Oula. Hop là, excusez-moi, petite crise de toux de Choubiti, là, pour le coup. Quelqu'un va s'assassiner Choubiti. Assassiner Choubiti, carrément. Voilà. On va aller jusque-là. Alors là, on a gagné ça, et donc ça, on a dit qu'on pouvait aller le mettre ici si on voulait. Donc si on le met, non pas toi, si on le met ici, on obtient un metal. Et si on le met plutôt dans boss, on obtient un health. Sachant que lui est de type. Ah, et lui, il va être un peu plus facile à faire évoluer le health. Hein. Donc pourquoi pas. Ça va mieux, faut juste pas que je rigole. Voilà, donc tu n'as pas à raconter de blagues dans le chat et tout ira bien, Felseg. Faut que je me mouche. Quand je me mouche aussi, ça a tout. Est-ce qu'il y aurait moyen de regarder en ictodromie, on a quoi? Celui-là, si on le fait monter level 4, ça pourrait nous servir ici. Sinon, c'est que des tout petits trucs très loin. Triste vie, alors, ouais, c'est clair que c'est pas idéal, ouais, on est d'accord. Hein. Sinon, lui, je le mets là, je récupère un triste. Je le mets là, je récupère un metal et puis on débloque le Birdsong plus loin là. Est-ce que je peux en enlever un déjà posé pour le remplacer par un autre? Non, non, une fois qu'ils sont committed dans l'arme, j'ai choisi l'emplacement où ils vont dans l'arme et je peux plus le bouger. On va faire ça, je pense. Je vais prendre le metal ici. Du coup, ça nous débloque le bon de Birdsong jusque là. Et l'autre, je vais le foutre. Putain, mais par contre, hop là, dans le bosque. Pour récupérer un health qu'on devrait pouvoir faire monter le niveau du coup. Et peut-être même pas plus tard que tout de suite. Du coup, il faudrait que ça soit un truc de type bosque. Evolve via bosque. Ah, est-ce qu'on a des evolve via bosque? Ça, c'est une bonne question. Sûrement que oui, parce que j'ai déjà fait évoluer un health. On va regarder. Donc on avait mis le truc de perle. Lui, il n'a pas bougé. On avait mis celui-là. Il est attuned to Ereb. Et on avait mis celui-là. Il est attuned to Ereb. Ah oui, donc on n'a jamais fait d'évolution par bosque encore. Je suis pas sûr d'avoir vu un truc évoluable par bosque, hein. Que dans la pampa là c'est de l'evolve via illumination. Tiens, c'est vrai que c'est l'automne. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qu'on pourrait faire pousser? Onescar jasmine, tiens. Allez, bah écoutez, vu que je le ferai plus tard le tour de tout ce qui nous permettrait éventuellement de monter de niveau.
toi, on va te poser là. Alors, il nous reste 4 trucs, dont un de type knock, si on voulait et faire monter ça. Et toi, tu es de niveau 3, donc il faudrait 3 souvenirs, donc on pourrait potentiellement réussir un truc. On est en train de générer notre souvenir de type hurt, donc c'est bon. Et en fait, Falsac, je suis quasiment sûr que j'ai jamais vu d'Evolve via Bosque encore. En général, les Evolve, ils sont en lien avec l'objet, quoi. Et du coup, il faudra un objet de type Nectar ou un truc du style, et ben, on n'a pas, quoi. Tous les objets de ce style, c'est que des trucs comme ça pour faire pousser des plantes ou interagir. Il n'y en a aucun qui a dû évoluer. Alors après, il nous faudrait un souvenir qui permet d'évoluer via Bosque, éventuellement. Mais c'est plutôt rare, et j'ai pas noté dans... J'ai déjà trouvé un moyen d'en créer, donc... à mon avis, c'est mort. On va essayer de faire le niveau de celui-là, là. Il nous faut 3 grades ou 3 knock. Là, on a un knock, normalement. Et on est en train de générer quoi comme souvenir, on a dit? Un hurt. On a fait un storm, c'est ça? Ouais, on a fait un storm. Il y en a deux normalement. Là. Donc on peut faire les autres à peu près safe. Ici, on va générer du knock. Ça, c'est bon. Ici... En général, non, parce qu'il faut... Là, on peut générer un knock. Est-ce que je peux lire ici? Avec le else, c'est parti. Et un troisième... Voilà, le bling-bling melody. Alors, il faudrait que je puisse le lire avec metal. Je crois que là, c'est jouable, dans un de ces deux-là. Là. Yes. Parfait. Comme ça, on aura vraiment optimisé aux petits oignons notre journée. Alors, lui, est-ce qu'il va se barrer avec la thune? Ça, c'est la question. Oh, l'argent! Non, il nous a appris la langue. Excellent. Ah bah, puis c'est de type... Ah non, oui, c'est de type Birdsong. C'est pas Evolve et Birdsong, c'est un langage. On a trouvé notre petit colis qui est arrivé. Allez hop, on l'ouvre. Et donc elle, pour le moment, on va commencer à la travailler avec genre le bol. On va voir si on peut se passer de lui donner du chocolat. Parce que le chocolat, c'est un de hurt. Hein. Pour un de hurt, on peut donner un verre d'eau. Hein. Sans vouloir être radin... Il y a quand même des priorités. T'essayes de m'arnaquer, t'imagines? Tu remplaces mon carré de chocolat ou mon chocolat chaud par de l'eau? Eh bah, très bonne idée, tiens. Je vais faire ça. Tout sera peut-être un peu moins. Imaginons. Et non, quand tu pleures, le micro ne détecte pas le son. Ça passe en non lisible. Alors, un petit peu de butter. On peut ajouter un œuf ou un faisan mixé avec du sugar et de la farine dans un bol. Mais on a du beurre. Le beurre, c'est un de type beurre. Bah tiens, on va pour lui filer du beurre si on veut. Un petit bout de beurre. D'abord, on va lui filer un verre d'eau. Ouais, c'est scandaleux. L'eau, c'est bon pour la santé. Voilà, regarde, un petit verre d'eau avec du beurre. Hein, Falseg, franchement. T'allais pas me faire de la bière au beurre non plus. Ok, c'est bon. Lui, il est récupéré. On va pouvoir en discuter avec elle. On a notre souvenir... Pour le mélange, t'es pas trop sûr.
Il va falloir qu'on trace, hein, parce que le temps passe quand même. Hein. Donc, hop. Hop. On la monte à 5, on va monter à 7 avec ça. Il va nous manquer 1. On a bien un petit outil de type Earth. Non, le couteau, c'est de type Grail. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas du tout un truc buvable. Est-ce que dans les outils de notre chambre... Ah mais non, l'outil, c'est le bol. Je lui ai déjà donné, pardon, excusez-moi. L'outil, c'est le bol, je lui ai déjà donné. Donc là, je lui ai donné à boire, je lui ai donné pas à manger. Ouais. On pourrait envisager de lui donner le beurre, hein, quand même, ou un truc du style. Hein. Une quelconque cucurbitacée. Hein. Parce que le beurre, faut qu'on l'achète. Donc bon. L'un dans l'autre. En plus, c'est du cooking aérien, elle peut peut-être même pas le manger, en fait. Il faut peut-être que ce soit subsistance. On va lancer toi. Toc. Qu'est-ce que j'ai foutu? Fallait 3, j'en ai pas fait 3. Ah si, il y en a un autre que j'ai pas récupéré. Pardon. Autant pour moi. Hop, 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 et hop. Voilà, c'est parti. On passe à level 4. Bon, elle va travailler pendant la nuit à nettoyer sa pièce. Hein. Je suis désolé, mais... Ah oui, en plus, c'est genre... La pièce, elle est blessée. Il y a des traces de sang de partout qui font des flaques de sang sur le sol et tout. Ça a l'air vachement sympathique. Donc ici, on a récupéré une plante de type forge. Tiens, intéressant. Hop, on va la mettre là, avec les autres. On apprend notre leçon. On a quasiment rattrapé du coup. Il nous reste plus qu'une seule leçon. Donc toi, t'es rang 5. Il faut qu'on discute du temps qu'il fait. Voilà, c'est parti. Une salle de torture ou un labo de boucherie, ouais. Bah, ça avait l'air pourtant d'être un endroit assez cosy, hein, avec deux petits lits là, des petites tables. Après, toutes les pièces, les descriptions en fait, elles sont assez horribles. Hein. Voilà, on est sur des trucs cassés standards, mais là, typiquement, il y a plein de serpents. Là, il n'y a carrément plus de plafond. Là, il y a des oiseaux partout, avec du guano dans les murs, dans tous les coins. Ils ont fait pipiche par touche. Ouais, ils ont fait pipiche par touche, exactement. Allez, on va lui filer un petit pumpkin, là. Elle sera à 8. Et on va pouvoir la faire travailler là-dessus. Et il fait nuit. Oh là là. Non, elle s'en va le matin. Normalement, une fois qu'elle est dans la salle, elle termine de toute façon. Allez ma chère, au boulot. Ce serait bien qu'on soit notre paiement parce qu'on va finir par devoir casser un billet là. Ma thune. Eh oui, ta thune. Bah on a pas mal dépensé ces derniers jours, enfin pas ces derniers jours, les jours d'avant plutôt, mais. Non mais j'ai bien entendu hein. T'as profité que je faisais dodo. Ah écoute, tu t'endors à 15h de l'après-midi, moi je dépense l'argent, hein, c'est tout. Hein. C'est comme ça, et puis c'est tout. Alors, demain, est-ce qu'on se fait une session ouverture de salle? Là, c'est du 11, là, c'est du 11, sur des trucs qu'on sait pas faire. Ça, c'est faisable. 9 de Sky, c'est faisable aussi. On a le Faust, qui est déjà pas mal. Qui a 3, plus le souvenir... Ouais, 9 c'est carrément faisable.
D'habitude, c'est l'inverse. Comment ça, d'habitude, c'est l'inverse? C'est moi qui dors et c'est Chobiti qui dépense l'argent? Ou ce n'est pas ce que tu voulais dire? C'est ça. Alors, c'est le matin. Alors, elle chuchote, mais elle dit qu'elle a pas besoin d'attendre que je dorme pour dépenser l'argent. Ce dont je suis assez d'accord. Est-ce qu'on essaye... Ici, on a quoi? Ici, on a du Knock, level 3, du Forge ou du Edge. C'est quoi le plus facile? On a 3 en Edge. 2 en Edge, 3 en Forge. Et en Knock, on a du 3 aussi. Je crois... Ouais, donc dans tous les cas, on est à 3. Sauf que le Curton... Il a que 1 de Nog, donc il faut plutôt qu'on parte sur Edge ou Forge avec notre ami le forgeron. Et notre outil qu'on a là, c'est 1 de Edge. Ouais. C'est 2 de Nectar, mais c'est 1 de Edge. Je pense pas qu'on ait des outils à 2 de Forge. Ça, c'est un outil aussi, mais c'est aussi à 1. Donc on va partir sur le forgeron. Alors, il faut un shining, donc le forain, ça, le florin, c'est suffisant. Elle est en train d'ouvrir, et donc il faut aussi qu'on embauche Pompon, là. Hop, parce que lui, il a du sky. On va attendre 2 secondes en espérant que le souvenir qu'on ait soit de type sky. Yes. Oh, il y a 3 en plus. Est-ce qu'on a besoin de crafter du pouls? À 6, il a quoi de sky? Il a 1 de sky, donc on est à 7. On a un outil de type sky normalement, donc on est à 8 et on veut 9, c'est ça? Ouais, donc on n'a même pas besoin de s'embêter à crafter le super souvenir. On va trouver un truc à la con là qui donnera du sky peut-être. Ah, est-ce qu'il y a de la nourriture ou de la boisson qui donne du sky? C'est même pas sûr, hein. T'as du thé? Il y a du thé là, ok, on va préparer un thé. C'est parti. C'est quel le thé? C'est le Lapsang, un Shtushong qui fait ça. On va mettre du Srist qui nous servira probablement pas aujourd'hui. Et du coup, il faudrait quand même qu'on travaille sur ça. Donc pour ça, il va nous falloir... Alors déjà, il va nous falloir un souvenir de type Forge 2. C'est juste en dessous, c'est là, toi, barre-toi. Pour pouvoir travailler avec le forgeron. Alors forge ou edge? Plutôt forge. Plutôt forge. On va le lire aussi avec un triste. Il nous faut un souvenir de type sky. Non, on a ce qu'il faut. Il nous faut ici... Combien de souvenirs pour ça? 4. 4 souvenirs de type Grail ou de Nock. On est capable de faire ça. Oui, normalement, oui. Hein. Là, on en a 1. 2. Je l'ai fait tout à l'heure, je crois, déjà. 2, 2, 2, 2, 3. Et là, il y a un Grail 4. Ok, donc on est capable de le faire. C'est parti. On va utiliser un RB ici. Ensuite, il nous en faut un autre qu'on va lire là. On va utiliser un metal. Attention, le metal de forge plus plus, on le garde. Hein. Ici, on a un knock qu'on va lire pas dans ce bureau là parce qu'on est déjà en train de lire des trucs. On va lire ici avec un shaft. Je peux pas mettre de shaft là. Avec un chore. Et enfin, un dernier, celui-là, le Salt. On va aller le lire là-haut, avec un Else, je pense. Voilà, là on a nos 4 souvenirs, plus celui-là pour Mr. Kyle. On est en train de faire la forge pour l'autre. Ouais, on va être bien, là, on va être bien. Il y a Cassiopée qui demande si elle peut être dépunie. Est-ce que Cassiopée peut être dépunie? Ça fait une heure de live, donc oui, on peut la dépunir. Et on a débloqué cette pièce. Alors, on a
Une chaise sévère. Ok, très bien. On a un verre d'eau, mais j'arrive pas à cliquer dessus. C'est juste de la flotte. C'est juste de l'eau. Ok. L'embarquer. Ça, c'est quoi? C'est une tasse de café. Il y a un truc ici. Là, il y a un investigateur suitcase. Très bien. Ah, là, on a du tissu. Ok. Il y a un livre. C'est du lin. Ouais, du lin. Et il y a encore les lits du savant de Carter. Très bien. Des dodos. Très bien, très bien. Donc là, on récupère machin et machin. C'est parti pour machin. Donc toi, on travaille sur le sky avec toi. Et on va ouvrir ça, du coup. Avec quoi? Avec quoi on va ouvrir ça? Un shaft? Shaft, c'est du knock. Il nous faut du knock là, mais on en a d'autres. Un shaft de base, on va utiliser plutôt. C'est parti. Tac tac, là on va ranger ce livre là ici pour le moment. On en est où de nos livres à lire là? On en a plus d'avance des livres à lire. On va poser le verre d'eau et on va faire un petit tour des livres qu'on peut lire. Donc ça c'est 8, mais ça on sait pas lire. Ça c'est excellent parce que c'est un film qui est dans une langue à la con quoi. Invisible opéra, du phonographe. Le phonographe, il peut lire n'importe quoi. Il est où? Il est là, le phonographe. Ouais, le type Sky, donc il peut lire n'importe quoi. Le problème, c'est que c'est quand même 12 de Sky. Hein. Est-ce qu'on a beaucoup de Sky en skill? On a un 6 ici, hein. On a un 6 plus 3. Ouais, ça se fait, hein. Ça se fait, allez, on met sur la pile. 12 de rose, c'est un peu beaucoup. Celui-là, on sait pas le lire. Celui-là, maintenant, on sait le lire. On comprend. Celui-là, on sait pas le lire. 12 de rose, on a dit que c'était un peu trop. 14 de scale. J'y crois pas. 14 de scale. Le problème, c'est que le seul scale qu'on a, c'est ça. Il y a 1, donc c'est pas ouf. 16 de hertz, c'est beaucoup. Ça, on sait pas le lire. 12 de Hertz, ça commence à être faisable. On va prendre. Ça, on sait pas le lire. 14 de Forge, et on sait pas le lire. On sait pas le lire de nouveau. Celui-là, on sait le lire. 12 de Knock, on va tenter. 16 de Sky, c'est trop. Celui-là, on sait pas le lire. 18 de Forge, non. Ça, on sait pas le lire. Ça, on sait pas lire. Celui-là, on sait le lire. Et 10 de Moss, c'est faisable, hein. Ça aussi, et on est plein. Ok, on va les poser sur la bibliothèque. Toc. Hop. 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 Et hop. On continue de vider un peu l'étagère. Donc celui-là, on a dit on peut. Celui-là, on peut. Attends, on a plein de mosses à dépiler, hein. Moon, mais on sait pas le lire. 14 de rose, non. 10 de rose, on sait pas le lire. 12 de scale, c'est 14 de Edge, c'est un peu short. 12 de lanterne, ouais, avec une encre éventuellement, mais celui-là on sait pas le lire. 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 Et B, celui-là on sait pas le lire non plus. Celui-là on sait pas le lire. Ok, on a quasiment plus que des livres qu'on sait pas lire, quoi. Il y avait la petite minette. Hop là. Ah, tu peux pas rentrer, toi, t'es sérieux? Bon, on va te mettre là. Ok, c'est pas mal. Tu l'as vu, la minette. Ah bah, tu m'étonnes qu'il était pas content. La petite minette, elle a vu que je fermais le volet, et puis elle s'arrêtait. Je l'ai regardé. Et Messi nous a vu. Alors, du coup, lui, on a utilisé notre Faust. On a utilisé le souvenir, on peut utiliser le Faust. Hop, on monte à 7. Ici. Ah oui, on a préparé le thé. Excellent. On va le servir.
Là, on va poser la théière ici et garder la tasse. Rien faire avec lui. On va aller travailler un peu. Hop, voilà. Ok, on a plein de trucs qui sont terminés. Un souvenir. Un souvenir. Un souvenir. Un souvenir. Et un souvenir. Très bien. Alors ça, c'est ce qui devrait nous servir pour ça. On va attendre d'avoir terminé ce truc. Qu'est-ce qu'on a dans la grosse valise ? Un whisky de qualité. Bon, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. Donc là, on met ça. Ensuite, tac, 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 tac. Tac, celui-là c'est celui pour le forgeron, parfait. Et du coup, il nous faut ça. C'est un truc tout con. Allez hop, go. On passe ça à level 5. Mais oui, je vois bien que t'embêtes Cassiope, hein. Bah oui, elle est blasée. Lui, on a terminé. Donc, il est level combien ? 7. Il lui faut son outil. Et ça, hop. Après, il faut sa tasse de thé et ensuite on travaille le forgeron. Le forgeron qui doit atteindre 9 aussi. Hein. C'est ça, 9 pour progresser par ici. Tout ça, c'est des trucs qu'on sait pas faire. Le 9 de Nock est atteignable, mais c'est plus rentable de faire du R, je pense. Hop, on passe level 5. Celui-là, 6 de Grail. Ça commence à compter. Hein. Ça, c'est cool. Là, et enfin, toi, on te file ta tasse et tu seras à 9. Parfait. On va dépiler toutes nos leçons. On est safe. On va pouvoir recommencer à lire des livres. On n'a plus du tout de Sprintria. Ça embête un peu. On a travaillé un peu, on va travailler un peu plus. On n'a pas notre autre metal, hein. Ouais, non, il était en train de lire. On va continuer de travailler. Dommage que quand on met des chaptes ou des aspects plus avancés, ça nous donne pas plus de sous. Hop, toi, on va discuter avec un gros metal. C'est parti. Et toi, tu ouvres cette pièce, s'il te plaît, va nettoyer le va nettoyer le guano. Hop là. Et ici, le forgeron... Il va nous réparer le pont, ok. Mais la minette ressemble à ça. Très bien. Hop. On va cataloguer le bouquin aussi, là, on en a trouvé un, donc tant qu'à faire, ce sera fait, on va le cataloguer avec ça. Fais gaffe s'il pouvait être contaminé tide ou pas. C'est du baronial, il peut être contaminé sur du baronial, mais... Rarely contaminated. Toc, là on a terminé, on va continuer de travailler.
On va faire un petit peu nos stocks d'argent parce qu'il va falloir qu'on embauche des mecs à la taverne hein, pour ouvrir des pièces. Donc, tant qu'à faire. Alors, on a restauré le sanctuaire du dernier baron des wolves. Ah tiens. Oh, un truc de 4 de nectar seulement. Et bah ok. On pourra limite le faire tout de suite, même si ouais, il nous reste en plus un health. Un bureau qui sait faire du nectar. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Il n'est pas contaminé, hein. Non. Il va nous parler des Rite of the Roots. Allez, go. On est à 1. On fout ça. On est à 4. C'est parti. This is a reprint, but in the original latin. Ouais. De Horis Book 1, je me demande si on n'a pas déjà eu le Book 2 quelque part. Tiens, bah du coup, je peux peut-être remettre mon carnet là d'ailleurs. Si tu as terminé. Vas-y. Donc. Moins encombrant. Le forgeron. Bah, sûr que non. Le forgeron, il nous faut un outil de type forgeron. C'est parti, on te file ça. Tu passes à 8 et il nous faudrait du coup. Un petit truc à lui donner. Une petite tasse de café. Tasse de café, ça fait le taf. Ouais. Sinon, il y a quoi? Encore du café. Des amandes. On peut lui filer les amandes aussi. Pourquoi pas? Mais on va lui donner du café. C'est très bien, le café, on en a pas mal en plus. Alors, et du coup, j'ai pas été voir la pièce, la fameuse pièce. C'était où? C'était ça. Le sanctuaire du baron. Ah oui, c'est carrément, oui, effectivement, je comprends que c'était rempli de caca d'oiseaux, quoi. Donc, on a de la chaise confortable. Belle, les lampes. Ouais, ouais, c'était sympathique. Ici, on a un petit bureau qui permet d'évoluer par usherie. Ça, c'est bien, ça. Par contre, c'est seulement mousse et rose. Donc, il va falloir. Ouh là, il y a carrément un gros. Oh, bah c'est du 2 quand même. Hein. Là, on a une encre qui est pas dégueu. Une petite plante de type lanterne et un Armagnac 10. Ouais, effectivement, c'était la petite retraite du baron. Quoi, hein. Il venait ici se boire son petit pot avec sa fourrure sur les pieds. Une super vue sur la mer. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, pour ouvrir, on passe sur du 10. Weeping Chambers. Là, on est sur plutôt un truc à oiseaux, du coup. Il y a des œufs, potentiellement. Ouais, jolie vue, Falseag, ouais, carrément. Alors, est-ce que je peux y mettre un autre outil? Je crois que non, hein. C'est qu'un seul. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça va être une tasse de café du coup. Allez, un bien papoté, un petit café, puis on se met au boulot. Il est temps. J'ai pas fait gaffe, mais il est largement temps aussi qu'on arrête la VOD d'ailleurs. Je voulais l'arrêter à la fin de la journée d'avant et j'ai complètement zappé avec les tout et tout. Donc du coup, on va s'arrêter là pour cette VOD. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. N'hésitez pas à... Je bois un petite gorgée d'eau. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.